Vito Scaletta ? Ouais. Vous êtes qui ? Vous êtes en état d'arrestation pour vente illégale de coupons de l'État. Veuillez nous suivre. Un des pompistes servait d'indic à la police. Le gars m'avait dénoncé et ils étaient remontés jusqu'à Mamma et puis à cette adresse. Mais ils savaient pas du tout pour qui je travaillais et je leur ai dit que dalle. Henri m'avait déniché un bon avocat grâce à Don Clemente. J'étais au fond du trou, mais on me tendait la main. Et il faut dire, ça aurait pu être bien pire si les fédéraux avaient su pour mes activités annexes. Votre crime d'autant plus ignoble que vous avez pris part au vol de ressources nationales à un moment où notre pays en a le plus besoin. Un acte d'une extrême gravité que vous, Monsieur Scaletta... L'avocat était bon, mais même lui pouvait pas me tirer de là. J'étais sûr d'être condamné. 3 mois plus tard... Ils ont rendu leur verdict. Vittorio Antonio Scaletta, pour vos crimes contre les citoyens de cette ville et notre grand pays, la cour a décidé de vous condamner à une peine de 10 ans dans un pénitencier fédéral. Pénitenciers, voleurs, assassins, pédophiles, ils étaient tous là. La crème des ordures. Ok, tas de cons, écoutez. Suivez-moi sur une ligne. Et jouez pas au plus malin avec moi. Désolé. Qu'est-ce qui marche pas? Toi, pas comprendre français? Moi, grand professeur! Quoi, t'aimes ça à ce point? Dis merdeux! Bon, relève-toi et retourne. Non, pitié! Non! Hé, hey, connard, j'aime pas trop me répéter! À ta place! On s'arrête. Demi-tour droite. L'autre droite. Ouvrez grand vos oreilles. Je suis le capitaine Terence Stone, et ceci est ma prison. Vous êtes enfermé ici parce que vous n'êtes pas foutu de vous comporter dehors comme des êtres humains. Que ce soit clair. Maintenant, vous êtes à moi. Et vous allez m'obéir ou vous le regretterez, je vous le dis. Cassez-moi les couilles et je vous ferai chier comme jamais. On vous a mis ici pour vous rééduquer. Et je vais vous rééduquer. Ça, oui. Ok, trou du cul. Maintenant, on va vous détacher. Le temps que vous fassiez un brin de toilette. Alignez-vous et suivez-moi. Bienvenue au salon de beauté. On va vous rendre plus belle que jamais, mademoiselle. Quoi, moi aussi? Mais j'ai pas un seul type sur le caillou. Ta gueule, crâne d'œuf. Ok, on avance. Hé,
Fais ce que je te dis. T'as de la merde dans le cerveau ? Écoute, mon mignon, si tu fais pas tout ce qu'on dit, on va te balancer au trou aussi sec. Suis-moi. Voilà ta nouvelle maison. Allez, entre. Lumière ! Et pas de bruit, enfoiré ! Sinon, je m'occupe de vous. Voilà à quoi allait ressembler ma piole pour les 10 ans à venir. Ça puait la merde et la pisse. J'aurais encore préféré me faire trouer la peau en Europe. J'ai passé 3 jours passionnants à fixer le mur devant moi, puis Joe m'a fait dire de chercher un gars, Léo Galante. D'après lui, ce type pouvait m'aider. C'était pas le genre d'endroit où on pouvait survivre tout seul. Je cherche un gars, Léo Galante. Casse-toi d'ici! Je cherche un gars, Léo Galante. Viens pas me faire chier! Hé, faut que je parle à Léo Galante. Tu veux bien me montrer qui c'est? J'ai rien à te dire. Dis donc, tu saurais pas où est Léo Galante? Hé, mec! Dégage! Dis donc, tu saurais pas où est Léo Galante? Casse-toi, enfoiré! Dis donc, tu saurais pas où est Léo Galante ? Désolé, je sais pas du tout. Je cherche Léo Galante. Tu sais où je peux le trouver ? Ah ouais, ouais, un vieux. Il joue aux échecs toute la journée. Ils ont amorcé la bombe. Je te connais, toi. C'était toi dans la bijouterie avec ce comte Barbaro. Si je suis là, c'est à cause de toi. Ils t'ont eu parce que t'es un connard fini, gros taré. Je le savais, les gars. Ma mère me l'avait dit. Dieu existe. C'est lui qui t'envoie, sale métèque. Moi, je te remercie. Je te dois bien ça. Un peu de sport. Et si on pariait ? Je suis sûr de me dire ! Défonce une crâne ! Amène-toi, espèce d'abruti congénital ! Ouais ! Pas de chance, tu de rien ! Ouais, et toi ? Descends ! Descends ! Les petits pédés comme toi, je les bouffe au petit déjeuner ! Je savais bien que t'aimais ça, la pédé ! Fais-lui bouffer ses couilles ! Crève-le, O'Neill ! Casse-lui la gueule, O'Neill ! Défonce-lui le crâne ! Dégage ! Allez, recule ! Arrêtez ça ! Bouge-toi ! Allez, en retard, vous deux ! On va te laisser réfléchir à ce que t'as fait pendant quelques jours. Ferme la porte. Bon, O'Neill avait failli m'arracher la tête, mais j'avais résisté. Et je vais vous dire un truc. Quand on est en tôle, ça compte plus que ce qu'on pourrait croire. Vous comptez le garder là combien de temps ? Jusqu'à ce qu'il ait compris la leçon. On va dire qu'il a compris. Il est en état de se battre ?
Ouais, je crois. Les gars ont pas du trop en rajouter après la bagarre dans la cour. D'accord, ouvrez-moi ça. Montre-toi, Scaletta. Y a quelqu'un qui vient pour te voir. Je m'appelle Léo Galante. Il paraît que tu veux me parler. Ouais, un gars de Clemente m'a dit de vous contacter. Vous pourriez peut-être m'aider. J'emmerde, Clemente. J'assure pas la protection de ces gars, ici. Mais je t'ai vu contre l'Irlandais qui te cherchait. O'Neill. Tu peux m'être utile. Viens, suis-moi, petit. Bon, écoutez, les gars. Voici Vito. Il va nous rendre un service. Pépé a un gros combat de prévu. Contre O'Neill. Il lui faut un sparring partner. Et d'après ce que tu nous as montré dans la cour, tu as tout à fait le profil. Toi, tu nous donnes un coup de main, petit. De mon côté, je te prends sous ma protection. Et puis, bon, c'est peut-être l'occasion pour toi d'apprendre deux ou trois trucs. Je crois que c'est une offre qu'on peut pas refuser. T'as pas vraiment le choix, Vito. Bon, allez, les gars, faut s'y mettre sérieusement. Ok, aujourd'hui, on va travailler tes contres. Vito, je veux que tu frappes Pépé. Essaie de lui démonter la mâchoire. Pépé, tu esquives son coup comme je t'ai montré, et tu en profites pour lui balancer du lourd. Allez, les gars, on commence. Tu le tiens, Pépé. Baisse-moi cet énorme menton, bordel. Wow. Eh ben ça, alors. Hé hey. Mais c'est moi qui m'entraîne ou c'est toi? Changement de stratégie. Le petit a du talent. Alors tu continues à t'entraîner à placer des contres et à éviter les siens. Et toi, Vito, voyons si tu peux le refaire. C'est un coup à avoir en réserve. Ça surprendra la plupart des gus, mais Pépé, c'est pas le premier venu. Joli, petit, joli. Joli. Place-en encore deux comme ça. Merde, ça fait mal, ça. Allez, un autre, Vito. Tu y es, petit? T'apprends vite, toi, dis-moi. Allez, les gars, ça ira pour aujourd'hui. Beau boulot. Dis-moi, t'étais très proche de Clemente, Vito? Bah, en fait, je lui ai jamais parlé. J'ai toujours eu affaire à Henri Tomasino ou Luca Gurino. Dire que ce con Gurino s'est toujours pas fait buter. C'était quoi, votre accord? Rien de spécial, on faisait des petits boulots pour eux et... Luca devait nous faire entrer dans la famille pour 5 000. Quoi? Quel connard, cet Alberto. Toujours le même sale escroc. Quoi, c'est plus que le prix? Ouais, 5 000 de plus que d'habitude. Y a jamais eu besoin de payer, Vito. Tu peux entrer dans la famille si tu prouves que t'es loyal, que tu rapportes. Et que tu connais... la vie, quoi, tu vois? Mais en tout cas, c'est une info intéressante. Quand ça se saura... Alberto et Luca vont devoir s'expliquer, crois-moi. À qui? Quoi? T'en fais pas pour ça. Je t'expliquerai tout une autre fois. Salut, comment va? Bien, comment... Allez, tu vas, Vito? Tu m'en fais encore 20. C'est sale. Beau boulot sur le ring. Beau boulot sur le ring, mon pote. Continue ouais, comme ça, et ça sera ton propre combat. Super, beau boulot avec cet enfoiré d'O'Neill. La prochaine fois, brise-lui la nuque. On le regrettera pas. Comment il sait tout ça sur la boxe, le vieux Galante? On dirait pas à regarder maintenant. Winston propose Pépé à 2 contre 1. Si Pépé était pas mon pote, je mettrais tout sur l'autre. O'Neill, c'est un vrai malade. En tout cas, je suis content qu'il organise ces combats. On va. Moi, c'est Vito. Ouais, je sais. Moi, c'est Al. Content de te voir. Ouais, apparemment, c'est même pour ça qu'il est ici. C'était un des plus gros bookmakers d'Empire Bay. Fais attention à toi, face de lait! Si t'avais pas les yeux à moitié fermés, tu m'aurais vu arriver, connard! Galante, le blanc tricheur! Content de te voir aussi, monsieur Wu. Tricheur? J'y peux rien si ton gars a perdu. Dans ce pays, on aime les gagnants. Alors Wu, propose une revanche. Ça doit pouvoir s'arranger. T'es d'attaque, Vito? D'attaque, moi? Ouais, trouvez-lui un escabeau et c'est parti. D'accord, Wu. On dirait que tu vas l'avoir, ta revanche. Mais on veut un combat loyal, cette fois-ci. Bon, écoute. Les Chinois sont du genre rapide. Pas la peine de balancer de gros coups au début.
tu toucherais pas. D'accord. Mais qu'est-ce que je fais alors? Des petits coups rapides, et tu le fatigues. Quand il faiblit, il baisse la garde. Et là, tu le pilonnes. Allez, vas-y, montre-leur ce que tu vaux. Hé, hey, Vito va en faire des rouleaux de printemps de votre mariole à la mort moelle-neuve. Pas arrivé si utiliser style de tigre. Prenne pas ce qu'elle est à, t'es déjà en retard. Jour de repos pour Vito. Cadeau de Monsieur Galante. Pigé, mais t'habitues pas trop ce qu'elle est à. Allez, viens avec moi, Vito. Quoi, on va encore s'entraîner? Ouais, enfin, tu vas voir. Bonjour, P. Bonjour, Monsieur Galante. On s'entraîne pas aujourd'hui? Pas vraiment. Les Noirs nous ont lancé un défi, et je ne veux pas risquer que Pépé se blesse avant son combat contre O'Neill. Alors, je veux que tu combattes. Ça te fera un bon entraînement. Allez, suis-moi! Bon, le type que tu vas boxer a de gros muscles mais un petit cerveau. Il se bat avec ses tripes, pas avec sa tête. Si tu l'énerves, il baissera sa garde. Et là, tu lui envoies tout ce que t'as. Allez, c'est parti. Sois digne de moi. Oh, regarde, un petit blanc tout maigre, ils les nourrissent plus à l'école. Je vais lui défoncer la tête et sa maman le reconnaîtra plus. Alors, les macaronis, vous avez pas peur de finir trop cuit? Hé, hey, réveillez-le, votre potard. Vous direz que c'est l'heure de cette... Putain, ma grand-mère fait pas mieux que ça. Votre petit blanc va finir au tapis. Toujours à dormir quand il y a du boulot, hein? Qui c'est qui a appris à ce frère à se battre? Allez, Vito, allez, t'as pas le droit de perdre contre ce mec! Lui, il aura une chance de l'emporter le jour où un Noir sera élu président. Oh, allez, Vito, tu le chopes et tu me le finis! C'est bon, petit, mets le KO! Alors, les macaronis, vous avez pas peur de finir... Super combat, petit. Super combat. Voilà ta part, Vito. C'est bien mérité. Oh, on va avoir des visites. C'est quoi ce bordel? Une convention d'enfoirés? C'est bon, amène-toi, Scaletta. T'as une visite. Bonjour, Vito. Salut, Franny. Comment tu vas? Ça va bien. Très bien, merci. Alors, quoi de neuf? J'ai quelque chose à t'annoncer. Je vais me marier, Vito. Oh, madone, génial! J'aurais préféré qu'il me demande la permission, mais... Je suis content pour toi. Vito, tu es ici! Regarde-toi! Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Bon, j'ai déjà eu droit au serment du juge, hein? Alors, te fatigue pas. Ok? Laisse tomber. Vito, ce n'est pas tout. C'est Mam. Qu'est-ce qu'elle a? Comment elle va? Pas bien, Vito. Ça fait des semaines qu'elle est malade et ça ne s'arrange pas. Bon, Franny. Va voir Joe. C'est lui qui a mon argent. Et lui, le meilleur docteur de la ville. Et... le reste, c'est ton cadeau de mariage.
Vito. Non, non, c'est pour toi. Moi, je suis pas prêt d'en avoir besoin. Allez, va falloir que j'y aille. Bon, occupe-toi de Mam. Dis-lui que je l'aime. Promis. Merci, Vito. Ciao. Allez, Scaletta! Les chiottes vont pas se nettoyer toutes seules! C'est toi, la nouvelle femme de ménage? Suis-moi. Hé, hey mec! Arrête ça! Hé, hey, tu feras tes exercices une fois. C'est bon, mec. Tu nous fais chier, putain. Ta voix, c'est le deuxième truc le plus dur que j'ai eu à supporter dans ça cette... Ça se passe ici. Mangue-toi de me faire briller tout ça. Vos gueules, stop! Fermez-la! Tous! Calme, les gars. J'essaie juste de pas perdre la main. Si tu recommences, je t'assure que... Qu'est-ce que t'as ? Continue, sinon... Hey, celui-là, il a pas l'air nickel. Renettoie-le. D'accord, c'est bon, là. Maintenant, tu vas rejoindre le reste des fauves dans les douches. Allez, on y est, Scaletta. Fous-toi à poil et va t'écurer un peu, ok? Allez, assez feignassé, maniez-vous le cul. Hé, Frankie, on a une petite affaire à régler entre nous ici. T'as pas envie d'une clope? Ouais. Amusez-vous bien, les folles. Vous avez 5 minutes. Jolie cicatrice, mon mignon. Tu les as eu où? Je peux toucher? Désolé, les PD. Donne pas dans la jaquette. On peut faire ça de la manière douce ou de la manière forte. C'est toi qui choisis. Je te propose autre chose. T'as qu'à enculer tes potes. Et si ça te suffit pas, eh ben t'as qu'à te branler. Ok. Tu veux la manière forte? On va se marrer. Viens. Vas-y, entre. Merde. Il sait se battre, hein? Mind-toi, John. On n'a pas beaucoup de temps. Il est où, Frank?
Bon, allez, entre. Tu reconnais ? Ah, au fait, du courrier pour toi. Ça a l'air urgent. Jette un coup d'œil. Mama est morte pendant que Francesca était ici. Au lieu de payer un bon docteur et le cadeau de mariage, mon argent a servi pour l'enterrement. Eh, Monsieur Galante souhaite te parler. Alors suis-moi. Content de te revoir, Bobby. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Irlandais aiment pas les combats loyaux. Il y en a deux qui se sont fait péper hier soir. Sauf qu'ils étaient bien plus que deux. Bon, en tout cas, on peut pas laisser passer une chose comme ça. Et vous pensez à quoi ? Pépé a un plan parfait. On a insisté un peu, mais O'Neill est tout seul dans le gymnase, là. Les gardes se sont absentés. Alors tu lui donnes une bonne leçon, tu lui pètes quelques os, qu'on soit à égalité. Pigé ? Ouais, ça marche. Bon, alors suis-moi. Bonne chance, petit. J'attends dehors. Si je vois des gardes, je te préviens. Ok. Allez, à toi de jouer. Hey, O'Neill. On a un petit compte à régler, tous les deux. C'est marrant, j'allais dire la même chose. Allez, viens par là! Encore! Plus fort! Il n'y aura pas de garde pour te sauver! Tu tapes comme une fille! Merde! Ma mère tapait plus fort que ça! C'est tout ce que tu sais pour... Cette fois, je vais te crever! Putain, mais t'es fait en quoi, toi? Va falloir frapper, fillette! Et je fais pas de cadeau, cette fois! C'est bien passé. On nous a jamais accusés. Léo m'a fait transférer dans sa cellule. Enfin, disons plutôt sa suite. Ma vie a changé du tout au tout. Dis-moi, Vito, quels sont tes projets quand tu sortiras de tôle ? Je sais pas. Mais en tout cas, pas question de retravailler pour Clemente, ça c'est sûr. Ouais, je te conseille de plus traîner avec ce vieux salopard. Crois-moi, c'est un enfoiré de première. Et il a payé ton avocat, surtout pour être sûr que tu ne dirais rien. Mais t'en fais pas. Il est mal. Faire payer des gars pour entrer dans la famille comme il t'a proposé, ça se fait pas. Il va avoir du mal à nous faire avaler ça. À qui ? C'est pas Clemente, le patron ? J'ai l'impression que tu sais pas comment ça marche. Tu vois, il y a plusieurs familles dans cette ville. Trois, même. Chaque famille a son propre territoire. Et il y a des règles. Donc, quand il arrive qu'on ait un désaccord, les chefs des différentes familles se réunissent. C'est le grand conseil. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je vais avoir des ennuis ? Non, tu crains rien. T'es jeune, t'es malin, et t'as prouvé que t'étais pas une balance. T'es exactement le genre de gars que tout le monde voudrait engager. Ouais, mais c'est qui les autres types du grand conseil ? Il y a deux autres boss à part Clemente. Il y a Carlo Falcone, et l'autre, c'est Frank Vinci. Carlo, c'est le jeune. Il est ambitieux. Ce type est un vrai taré. Enfin.
Il est jeune. Alors que Don Vinci est un homme d'honneur. Il respecte les traditions. Et vous, vous les connaissez? Oui, tu peux le dire. Je suis le consigliere de Frank Vinci. Tu crois que c'est parce que je suis vieux que j'ai droit à ce traitement de faveur? Écoute, Vito. Moi, je sors dans quelques mois. Une fois dehors, je verrai s'il y a moyen de réduire ta peine. Ouais. Pépé, viens là. Goûte-moi ça. Galante n'avait pas menti. Il m'a fait libérer beaucoup plus tôt. 3 ans et demi plus tôt, pour être exact. Joe venait souvent me voir pour me raconter ce qui se passait dehors, mais... quand j'ai franchi la porte de la prison, j'ai rien reconnu du tout. Vito! Et tu t'es évadé! Content de te voir sans tes fringues de tolard et plus derrière ces putains de barreaux. Bienvenue, et reste pas là, entre! Ça fait bizarre, je reconnais presque plus rien. Ouais, tout a changé. Au fait, quand même, je t'ai déniché un chouette petit appartement, comme tu Merci. Voulais. Bon, j'ai une surprise pour toi. On va sortir ce soir pour fêter ça, et j'aimerais te présenter quelqu'un. D'accord, ça me va. Tu vas avoir besoin d'un peu de blé jusqu'à ce que tu rebosses. Tiens. Prends déjà ça. Un calibre pour toi, si tu veux. Tiens, ça peut toujours servir. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant que t'es dehors? À ton avis, je vais remettre à bosser avec mon vieux pote. Génial! J'avais peur qu'il t'ait remis dans le droit chemin, non. Là-bas. En fait, j'ai plutôt rencontré plein de gens et j'ai appris plein de trucs. Ça m'a fait comprendre plein de choses, tu sais. Tant mieux. Parce que moi non plus, j'ai pas perdu mon temps pendant que t'étais à l'ombre. Te bile pas, va. Je vais te mettre au parfum, comme toujours. D'accord, mais ça te dit pas qu'on y aille? Merde, et moi qui pensais qu'on se poserait 5 minutes. Mais bon, comme tu veux. Allez, viens, je t'emmène voir ton appart. On prend ma caisse et on passe voir ton nouveau proprio. T'as qu'à conduire pour te remettre dans le bain. Pourvu que tu saches toujours conduire après ton séjour en tôle. Évidemment que je sais conduire, c'est comme le vélo. Ouais, sauf que quand tu pètes ton vélo, ça coûte pas une putain de fortune en réparation. C'est bon, j'ai compris. Pas besoin de radoter. Ouais, j'espère bien que t'as compris. Et si t'as pas remarqué, je te signale que les bagnoles ont pas mal changé pendant que t'étais là-bas. Ton nouvel appart est juste en bas de la rue. Tu vas l'adorer. Putain, ça fait plaisir que tu sois là. Je suis bien démerdé pendant que t'étais au trou, mais ensemble, on va faire des étincelles. T'as vu Henri ces temps-ci? Non, ça fait quelques années. Ça l'a vraiment remué, ce qui s'est passé, tu sais. Alors, tu bosses sur quoi? On pouvait pas vraiment parler quand tu venais au parloir. Après le sale coup que Clemente, ce petit enfoiré de Luca, ont voulu nous faire, je me suis mis avec la famille Falcone, et là, je bosse pour eux. Ah bon? Ouais, tu vas les voir ce soir. Je t'ai dit, je t'ai préparé une bonne surprise. Mais pose pas de questions, parce que je dirai pas un mot. Oula. T'inquiète, j'ai tout prévu. C'est bien ce qui me fait peur. Bon, on est juste à côté, garde-toi. Va visiter l'appart, c'est au dernier étage. J'ai déjà réglé le premier mois de loyer pour toi. Eh oh, l'entrée de ton parking est juste par là, dans la ruelle. Merci, Joe. Merci beaucoup. Bien, j'ai prévu de te sortir ce soir pour te présenter à quelqu'un. Alors achète-toi un costard. Avec ta dégaine de tolard, tu rentreras jamais. Eh ben, ça promet.
Ok, on arrive. Je suis sûr qu'il va vous enchanter. Je vis dans un appartement presque identique. Comme vous voyez, le téléphone est fourni sans supplément de charge. Et voici la salle de bain, propre et moderne, avec toute l'eau chaude dont vous pouvez avoir envie. On arrive à la chambre principale, et voici le grand lit, confortable, avec de la place pour deux, peut-être trois. Et il ne grince pas, je suis très attentif à ce détail. J'espère que votre nouvel appartement vous plaît. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. Vous allez rester là longtemps ou vous me laissez m'installer? Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une autre visite. Au revoir. Hey, salut.